Aussi un temps tu veux nous parler. C'est pour cela que nous voulons affûter nos cœurs, Seigneur, à ton enseignement. Nous prions dans le nom de Jésus que tout ce que nous dirons soit pour l'avancée de ton royaume, dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas, on m'a dit qu'il fait excessivement chaud. Si vous permettez, soit on ouvre la porte, à moins que ça vous dérange. Moi, je suis déjà en train de transpirer. Le matin, il faisait froid, on a mis le chauffage à fond. Et donc, c'est un peu les choses. Si vous avez chaud, vous nous dites, on va avoir le service d'accueil, peut ouvrir certaines fenêtres ou je ne sais pas. Ouvrez les fenêtres de mon bureau, comme ça l'air peut entrer. Que le nom du Seigneur soit béni. Le dimanche passé, nous avons commencé un enseignement. C'est une série d'enseignements. Quelquefois, le Seigneur nous inspire sur la maison de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la maison de Dieu, partie 2. Mais cette fois-ci, j'aimerais vraiment aller de manière assez extrême et assez rigoureuse parce que le Seigneur, durant cette semaine, m'a parlé à travers plusieurs événements. Je ne savais même pas que j'allais continuer cette série d'enseignements. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous devez savoir, bien aimé, nous devons savoir là où l'Esprit de Dieu souffle, discerner la voix de Dieu. Je m'adresserai à l'Église, je prie, bien aimé, qu'au sortir de ce lieu, que cette parole reste gravée dans vos cœurs. Je vous en supplie. Peut-être qu'il y aurait des tournures de phrases qui seront peut-être rigolotes. Oubliez cela, mais laissez l'Esprit du Seigneur parler, vous convaincre, parce que c'est l'essentiel. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions le ressembler, ressembler à son Fils, qui est l'image parfaite. Il a dit, quiconque m'a vu a vu le Père. Or, le livre de Corinthiens dit, nous tous qui le visage est découvert, contemplant comme dans un miroir le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image, Seigneur, selon l'Esprit. Et bien aimé, quand je lisais ce passage, le Seigneur est en train de me faire comprendre, parce que quand vous lisez ce passage, on parle de ce voile que Moïse avait mis, qui couvrait son visage pour que les autres ne puissent pas être influencés. Mais nous, le voile a été ôté, et la transformation dont le Seigneur m'a fait comprendre, ce n'est pas la transformation du visage. Non, c'est la transformation de l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui est transformé chaque jour dans la présence de Dieu à l'image de Christ. Nous devons refléter Christ d'abord à l'intérieur de nous. Tant que ce travail n'a pas été fait, tout ce que nous faisons est vain. C'est pour cela, il y a quelques années, Dieu m'avait mis à cœur de parler sur l'endoscopie spirituelle de l'Église. Et aujourd'hui, un constat qui me vient à cœur, c'est que l'Église, je ne parle pas de l'Église en général, mais je parle de l'Église locale, l'Église va mal. L'Église, il y a un fléau qui est en train de gangréner notre Église, c'est la séduction. L'esprit de la séduction commence à toucher les enfants de Dieu petit à petit, et ça nous amène à nous conformer au siècle présent. Or, la Bible dit dans les livres de Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Mais lorsque nous sommes déjà tombés dans la séduction, on ne se rend pas compte que ce fléau est en train de nous gangréner. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, à travers YouTube, à travers WhatsApp, à travers
TikTok, je ne sais pas, Instagram. Aujourd'hui, nous chrétiens, au lieu d'influencer, nous devenons influençables. Nous ne savons plus prendre position pour notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne est devenue une vie chrétienne à double face. Nous faisons comme le monde et nous voulons plaire à Dieu. Or, si nous sommes amis du monde, nous sommes ennemis de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Bien-aimés, nous devons apprendre à élever le standard de Dieu au-dessus de toutes choses. Jésus revient bientôt. Il viendra chercher une église sans tache ni ride, ni rien d'irrépréhensible. Mais regardons notre marche aujourd'hui. Les choses que nous avons vomies hier, ces mêmes choses nous les reprenons. Ces mêmes choses, nous sommes comme des chiens qui avons vomi la nourriture, nous allons les reprendre. Pourquoi? Parce que nous voulons vivre une vie de complaisance. La vie chrétienne n'est pas une vie de complaisance. La vie chrétienne est une vie de consécration. La vie chrétienne est une vie de renoncement. La vie chrétienne est une vie de sanctification. Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes un amen de gloire. Je suis en train de te parler, bien-aimé. Le temps est devenu un temps dur. Nous arrivons à la fin de l'année. Nous allons entrer à l'année 2024. 2024, j'aurai 53 ans. 2025, j'aurai 54 ans. J'irai, je ne vais pas en rajeunissant, je vais en vieillissant. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus je me rapproche de la tombe. Je suis désolé de vous le dire, c'est la réalité. Même si vous dites au nom de Jésus, c'est la réalité. Je suis content parce que plus je me rapproche de la tombe, plus je me rapproche de mon enlèvement. Ce corps va disparaître. Le corps intérieur va revêtir la gloire du Seigneur céleste. Et j'irai à la rencontre de celui qui s'appelle Je suis. C'est ça qui est le plus important. On peut nourrir ce corps. On peut prendre soin de ce corps. On peut aller faire des chirurgies esthétiques. Ouvrez la porte si vous avez chaud, mes amis. Ne soyez pas timide. Ouvrez la porte. On peut faire des chirurgies esthétiques. On peut faire les lifting. On peut teinter les cheveux. On peut tirer les rides. Mais bien aimé, la carte d'identité ne change pas. La carte d'identité ne subit pas le lifting. Vous allez à la commune, on vous regarde, on regarde la carte d'identité, on s'étonne. Même la carte elle-même est étonnée. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 16. Paul parle à Timothée. Ouais, il fait vraiment chaud. Hein? Paul parle à Timothée. 1 Timothée 3, 1 à 16. Équipe technique, ma télévision ne répond plus. Paix à son âme. Je vais lire alors, puisque vous n'avez pas le passage avec moi. Nous avons dit en Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à une charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indigent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'on flée d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, de gains sordides, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, qu'ils soient sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement le ministère s'acquièrent d'un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu. C'est là que nous tirons notre thème, notre thématique. Qui est l'église du Dieu vivant et la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire, on parle de Jésus. Nous disons Amen.
Ici, bien aimé, c'est l'épître de Paul à Timothée. Cet épître s'appelle l'épître pastorale. Paul a écrit trois épîtres pastorales. La première épître, c'est 1 Timothée. La seconde épître, c'est 2 Timothée. Et la troisième épître pastorale, c'est le livre de Tite. J'allais dire 3 Timothée, mais c'est le livre de Tite. Et bien aimé, ils ont été nommés épîtres pastorales parce que ces écrits renferment les instructions et les directions à donner sur la manière dont on doit gouverner, diriger les églises. J'aimerais dire que cette prédication ne s'adresse pas aux diacres ni aux anciens, sinon ça serait quand même mal vu de ma part de leur parler du haut de cette chair. Ça s'adresse à tout le monde et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Le but principal de ces épîtres, c'est lequel? Nous le puisons dans Tite chapitre 1, verset 5. Paul parle à Tite, il dit « Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville. » Donc, le fondement de ces épîtres, c'est que Paul est en train de régler certains problèmes. Il est en train de remettre en ordre, c'est-à-dire d'arranger ce qui doit être fait, de régler certaines choses et d'établir aussi des anciens dans le but de pouvoir diriger les églises que Paul avait laissées. Et bien aimé, c'est ce que Paul souhaite. Il s'évertue à dire à Timothée ceci, qui est son enfant légitime dans la foi, il lui donne des critères pour ceux qui aspirent à la charge d'évêque, à la charge d'ancien, pour ceux qui aspirent à être diacre, ceux qui veulent travailler dans ce ministère. Il leur a donné des critères, il leur a donné un standard. Voilà, il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme, il ne faut pas qu'ils soient adonnés au vin, il ne faut pas qu'ils soient violents, il ne faut pas qu'ils soient amoureux de l'argent. Tout ça, il donne des critères. Mais ce que Paul souhaite en premier lieu, bien aimé, c'est que cette fonction d'évêque ou de diacre soit une fonction qui a une autre fonction, soit donnée à des hommes irréprochables. Amen. Je bénis grandement le Seigneur pour les hommes irréprochables que j'ai et femmes irréprochables que j'ai dans l'église. Mais voilà ce qu'il est en train de dire. C'est le verset 14 qui nous intéresse. Il dit, si je tarde, je t'écris ces choses pour te montrer comment, mettez-moi le verset 14, comment il faut se conduire. Comment il faut se conduire. C'est-à-dire comment il faut se comporter. En d'autres termes, quelle attitude avoir, quel comportement avoir, quelle façon, quelle manière, quelle mœurs, quelle pratique, quelle tenue, quel agissement, ceux de la maison de Dieu doivent avoir. Dans la version Parole vivante, on ne parle pas de la maison de Dieu, on parle de la famille de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, Paul dit, il y a un standard que les gens de la famille de Dieu doivent avoir. Il y a un comportement que les gens de la famille de Dieu doivent adopter. Il y a des attitudes que les gens de la famille de Dieu doivent adopter. Il y a des tenues que les gens de la famille de Dieu doivent porter. On ne va pas dire amen. Il y a un langage que les gens de la maison de Dieu doivent avoir. Nous sommes une famille. C'est-à-dire, ce qui te touche, me touche. On a mis notre bien-aimé ici en train de se réjouir. Tout le monde a crié. On a poussé des cris de joie. Pourquoi? Nous sommes dans la joie. Parce qu'ils font partie de notre famille. Nous sommes dans la joie de célébrer avec eux ce moment de réjouissance, même si tous nous ne sommes pas invités. Et nous sommes dans la joie de savoir qu'un membre de notre famille se marie. Et nous sommes aussi, lorsqu'une personne est touchée par un deuil, cela aussi nous concerne. On est membre d'une famille. Quand tu as des problèmes, cela nous concerne. Alors quand ton témoignage est en train de friser, de détruire, ça détruit aussi l'église. Cela aussi nous concerne. Oh non, c'est ma vie privée. Non! Quand tu es en train de dévaloriser le standard de Christ, cela nous concerne. La Bible dit, vous êtes sentinelles les uns les autres.
Quand tu as deuil, vous n'êtes pas venu me voir. Mais comme maintenant tu es en train de faire des choses honteuses, on vient te réprimander. Oh non, de quel droit tu le fais? Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Je suis ton frère dans le Seigneur. Tu impactes mon témoignage. À cause de toi, nous tous nous sommes mal vus. Vous ne le savez pas. Vous sortez ici, vous venez à la borne. Vouloir ou pas, ce n'est pas le fait que vous ayez une carte de membre. Tu pries où? À la borne. Ton témoignage nous concerne. Dès que tu as mis les pieds ici, ton témoignage nous concerne. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Il faut que nous puissions comprendre ces choses. Comment se conduire dans la maison de Dieu? Comment devons-nous nous conduire, frères, sœurs? Trop de légèreté dans la maison de Dieu. Trop de légèreté. On fait ce qu'on veut. On fait tout ce qu'on veut. On a une vie frivole, légère. Légère. Je crois à l'amitié entre un frère et une soeur. Je crois. Je suis de celui qui prend ces choses. Et quand ça bascule sur, d'une façon assez mystérieuse, là, je commence à émettre des doutes. Quand vous commencez à vous appeler à des heures tardives, alors que la sœur en tenue légère, parce qu'il fait chaud, sur WhatsApp, au début, il n'y a pas de vidéo, mais après, avec le temps, vous savez, l'interdit attire toujours. Hein? Mais pourquoi tu ne mets pas ta vidéo? Moi, j'ai mis ma vidéo. Tu montres tes petits pectoraux que tu allais faire là-bas, chez je ne sais pas, là-bas, chez, comment il s'appelle? Basic Fit, tu penses que tu es devenu, si c'est maître T ou quoi. Et tu vois, là, tu es en train de bouger tes petits pectoraux. Il suffit qu'on donne un petit coup là-bas, tu as mal. Et tu veux la voir en petite tenue. À 22h. À 22h, vous parlez de quoi? Jésus revient bientôt. Oh, tu as vu? Non, Jésus ne revient pas. Il a encore beaucoup de temps. Après, ça vire. Parce qu'on prend toujours un virage sans le savoir. Le diable est très malin. Quand il n'y a pas de discipline, le peuple devient sans frein. Et puis, montre la vidéo. Oh, toi aussi, mais toi, tu veux entendre ces choses. Et tu fais seulement toi aussi, si le pasteur X sait. Ce n'est pas le pasteur X qui a besoin de savoir, c'est le Saint-Esprit en toi qui doit dire ce que tu fais mauvais. Et puis on voit ce qu'on ne devait pas voir. Quand on voit ces choses, on commence à parler en langue. Seigneur, sanctifie mes yeux. Mais c'était mémorisé dans la boîte noire. Et le lendemain, et puis on glisse. Tu étais zélé, zélé pour le Seigneur, on te sent refroidi. Quand on te convoque, là tu es sur la défensive. Pasteur, pourquoi tu m'appelles? Je deviens ton ami parce que tu sais ce que tu as fait. Je deviens ton ennemi parce que tu sais ce que tu as fait. Et quand c'est ma vie privée, c'est ma vie privée. Non, 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 non. Ça n'a pas de vie privée, ces choses-là. Ce qui te touche, me touche. Dis ça à ton voisin. Ce qui te touche là, me touche. On est ensemble. Alors nous voyons Paul tracer une ligne de conduite à tous les membres sans exception, ainsi qu'à Timothée, son enfant légitime dans la foi. Cette manière de se comporter ou de se conduire doit être mise en pratique où? Dans la maison de Dieu, qui s'appelle l'église du Dieu vivant. D'autres versions parlent de la famille de Dieu. Cela nous rapproche encore plus les uns les autres. Quand on parle de famille, nous sommes une famille, bien-aimés. Et nous devons avoir un même langage, un même comportement. Oh, je l'ai dit au premier culte, aujourd'hui, nous avons nos sœurs, permettez-moi de le dire, nous nous sommes épargnés parce que nous, les mêmes costumes que nous portons ici, nous pouvons les porter dans les fêtes. Mais vous, nos sœurs, aujourd'hui, vous avez des jupes longues, non? À la fête, des jupes, ces mêmes jupes longues-là deviennent avec des fentes. Des fentes jusqu'ici. Quand tu marches, quand je regarde les cuisses, je dis, ah Seigneur, merci pour cette sœur, elle est belle, regarde les cuisses, merci de l'avoir créée. Pas l'hiver. Maintenant, quand tu viendras te prosterner ici, moi, je vais voir qui? La sœur du samedi à la fête ou la sœur du dimanche au culte? Dites-moi un peu, qu'est-ce que ma mémoire va retenir? Soyez sincères, frères, soyez sincères. C'est le samedi? Celle de samedi, c'est-à-dire quand tu viendras là, même si tu parles la langue, seulement le diable vient, il efface. Il met la marche de samedi.
commence à dire, Seigneur, nous sommes en train d'adorer, Seigneur, purifie mes yeux, purifie mon cœur. C'est pour ça que quelquefois nous avons peur d'aller dans les fêtes. Nos yeux sont souillés. Souillés. Merci ma femme. Que Dieu nous garde. Bien aimé, je ne dis pas ça pour... Non, je vous mets en garde. L'église est en train de dévier. Pourquoi? Parce qu'on est attiré par la convoitise. On a vu, je ne sais pas, celle-là qui est devenue mannequin, qui est en train de faire le top modèle. Et nous aussi, nous voulons porter comme elle. Frère, tout habit n'est pas bon sur ton corps. Et vous, vous savez, vous avez la taille XXL. Là-bas, ils ont une taille affinée, S. L'habit là, on ne voit pas les formes. Toi, quand tu portes, oh, il est saoul. Mais tu ne comprends pas que ce n'est pas fait pour toi. Et puisqu'il faut être là, crop top, crop top, crop top. Ventre bédonnant, crop top. Mais il faut seulement être à la mode. Les amis, c'est un piège. La mode, c'est un piège. On a créé un standard, c'est ce qu'avait dit le frère Rémi. Un standard. On nous conditionne dans un standard. Pour bien s'habiller, il faut avoir la taille du frère David. Nous, les gens qui portons au-delà de 52, nous ne sommes plus là dans les standards. Qui vous a dit que nous ne sommes pas dans les standards? Heureusement, je suis marié. Jean-Marc, tu portes de combien? 58. Déjà, frère, diminue, sinon tu vas arriver à 64. Je suis en train de parler de choses qui sont réelles. Et on s'est fait une illusion. Aujourd'hui, il faut aller en Turquie pour avoir un postérieur. Si on n'a pas de postérieur, on n'est pas femme. Qui vous a dit ça? Aujourd'hui, vous êtes sur Instagram. On vous montre tout ça. La publicité. Nous sommes vraiment armés. C'est l'harcèlement. Vous voulez voir autre chose? On vous envoie. Il faut avoir des biceps. Il faut avoir mon frère. Je n'ai pas besoin de biceps. J'ai besoin de me créer des biceps spirituels pour ma vie chrétienne. Il y a des gens là qui sont seulement basic fit là pour rien. Vous allez, vous perdez des calories. Vous sortez, vous gagnez 10 calories. Mais tu payes 20 euros. Pour rien. Nous sommes ensemble. Il y a un standard, bien-aimé. Et ce standard est important, bien-aimé. Il y a un standard comportemental que les frères et les sœurs doivent adopter dans l'église. Mais cela aussi a des répercussions hors de l'église. Il qualifie l'église comme étant la colonne et l'appui de la vérité. En faisant référence, bien-aimé, aux constructions de cette époque en Grèce. Il était lorsqu'on construisait des grandes bâtisses, il y avait des colonnes qui étaient en train de soutenir la bâtisse. Et il est dit que sur ces bâtisses, il était écrit les noms des différentes personnes ou de leurs dieux avec leurs différents épopées, c'est-à-dire leurs différents parcours. Et pour les Grecs, ils disaient... Tant que la colonne était là, c'est-à-dire que cette épopée était vivante. Et Paul prend cette image pour dire que nous qui faisons partie de la maison de Dieu, nous qui faisons partie de l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité, dans l'église, ce qui soutient l'église, ce qui fait que l'église reste intacte, c'est la vérité. Or, ta parole est la vérité. Tant que l'église ne prêchera plus la vérité, nous passons à côté. Il n'y a plus de fondement. Et la Bible dit ceci, lorsque les fondements sont ébranlés, juste, que fera-t-il? Et aujourd'hui, les fondements sont renversés dans nos églises. Ce que hier, on est en train de condamner, on commence à cajoler. Oh non, nous devons comprendre, on évolue avec le temps. Non, frère, la parole de Dieu n'évolue pas avec le temps. La parole de Dieu reste la même. Et aujourd'hui, nous devons redoubler plus de vigilance. À l'époque de Paul, il n'y avait pas les réseaux sociaux. À l'époque de Paul, bien aimé, pour pécher, il fallait sortir de la maison. Aujourd'hui, le péché s'invite chez nous. Les publicités d'Ève, pour vendre l'eau, on doit montrer la femme en tenue d'Adam. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ces deux choses? On a fait la femme un objet. Ramène-nous aux choses simples, Père de l'Évangile. Nous perdons les hommes de Dieu. Nous devenons habitués avec les choses de Dieu. Je pêche aujourd'hui. Oh, j'ai parlé de son premier culte. On a montré un serviteur de Dieu à Londres. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à Londres. Quel est le démon qui est à Londres là? Il faut aller les déloger.
Hein? Un serviteur de Dieu à Londres, là-bas, il a couché avec la maman, il est marié, il a couché avec la maman. La maman l'a surpris qu'il est en train de coucher, il veut coucher avec sa fille dans l'hôtel. La maman est en train de faire la jalousie. Et aux États-Unis, merci pour l'info. C'est honteux. C'est honteux. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Il couche, on sait qu'il couche. Le jour, je ne prie pas que ça m'arrive, mais le jour où j'aurai un contre-témoignage, je viens prier, je viens parler, est-ce que ma parole aura un impact? Aujourd'hui, nous suivons des serviteurs de Dieu dont vous connaissez que la vie est mauvaise. Mais nous sommes en train de les suivre. Prêche homme de Dieu, man of God, prêche homme de Dieu. Mais il vit dans l'impudicité, il vit dans le vol, il vit dans l'adultère. Mais nous sommes en train de les encourager. Daddy, il t'a fait, toi tu connais même son parcours. Où nous prêchons si vous ne nous appelez même pas les dates? Pasteur, parlez-moi aussi daddy, non? Je vais vous chasser avec ce nom daddy là. On est ensemble bien aimés. Appui de la vérité. C'est dans l'église où on doit connaître la vérité. C'est la vérité qui transforme nos vies. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. J'ai connu Jésus qui est la vérité. Le chemin, la vérité, la vie. Il transforme ma vie. Il transforme mon comportement. Il transforme mon langage. Il transforme mon habitude. Il m'apprend à respecter les aînés. Il m'apprend à savoir comment parler devant les gens. La question que je me pose aujourd'hui est la suivante. Nous sommes chrétiens, certes, mais prenons-nous ou affichons-nous les valeurs chrétiennes dans toute notre conduite? Le faisons-nous? Le faisons-nous? Dans notre conduite, tous les jours, sommes-nous chrétiens? Face à l'adversité, face à quelqu'un qui t'a fait du mal, es-tu chrétien? Es-tu chrétienne? C'est facile de crier que je suis enfant de Dieu. C'est facile. On a parlé des serviteurs de Dieu. On a dit que celui qui veut aspirer à une charge importante dans l'église, qu'il ait un témoignage, un bon témoignage des gens du dehors. Que pensent les gens du dehors de vous ou de moi? Quand on parle du pasteur Ricardo Tshisoum, qu'est-ce qu'on voit? Mes amis, gardons le standard de Jésus. Gardons, bon gré, mal gré, Jésus revient bientôt. Il est dommage d'entendre certaines choses qui se passent dans l'église. Dans l'église, je ne parle pas de Ribeaucourt. Je ne parle pas, je ne sais pas, là on achète les cotis, ça s'appelle comment? Je ne parle pas de Clémenceau. Je ne parle pas d'un marché. Je parle de l'église. Tu sais, on m'a dit, et souvent, c'est pour ça qu'on a même parlé, les femmes, quelquefois apprennent à vous taire. Merci d'éteindre votre téléphone. On m'a dit que le frère Antonio n'aime plus maman Huguette. Et la personne vient dire à maman Huguette, on m'a dit que papa Antonio ne t'aime plus. Qui t'a dit, non, je préfère garder ça pour moi. Mais pourquoi tu viens lui dire? Quel est ton but en lui disant ça? Qui t'a dit cette information? Et c'est ça qui tue l'église. On a dit. On la tue, l'église. Ce sont des petits renards qu'il faut éradiquer. On a dit, qui a dit? Oh, le pasteur Hugues. Quelqu'un m'a dit que le pasteur Hugues ne t'aime pas. Qui est ce quelqu'un-là? Frère, je vous donne l'autorisation. Tout le on qu'on vous dit, amenez-le à la confrontation. Ça tue l'église. Ah, tu sais que le pasteur ne t'aime pas beaucoup. Hein? C'est pour ça qu'il ne t'aimait pas beaucoup à la modération. Et le pasteur il dort, il ronfle. Celui qui fait le programme de vendredi, c'est le diacre Gauthier. Mais comme tu n'as pas l'information, tu vas maintenant dire aux gens. Vous êtes en train de me tuer pendant que moi je n'ai rien fait. Innocent. Heureusement que j'ai un avocat auprès de moi qui défend ma cause. Et c'est on la tue, l'église. Il y a des gens qui ont quitté l'église à cause des on. Tu as vu, le pasteur, il a prêché. C'est toi qui l'as visé. Celui qui va te dire ça, qu'il soit anathème. Amen. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 17 à 19.
Il nous reste 5 minutes, mais permettez-moi de déborder. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. D'abord, j'apprends que vous vous réunissez en assemblée. Il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels. Dans d'autres versions, il est dit, d'ailleurs, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous. Ainsi, on peut voir clairement ceux qui sont parmi vous, s'ils sont vraiment des fidèles. Il faut qu'il y ait des divisions. Donc, je comprends quelquefois Dieu secoue l'église pour enlever les mauvaises choses. On va voir qui est fidèle. On cherche des hommes loyaux. Dans ces temps ici, frère, Dieu n'a pas besoin d'une population. Il a besoin d'hommes et de femmes loyaux. Lorsque Gédéon s'est levé, ils étaient plus de 32 000. Mais ils sont restés 300 personnes. Et Dieu dit, c'est par ces 300 personnes que je délivrerai Israël de la main de Madian. Nous avons besoin des gens fidèles, des gens loyaux, des gens qui, lorsqu'on parle du mal de son pasteur, est prêt à le défendre même lorsque le pasteur n'est pas là. Même lorsqu'il sait que le pasteur a tort, il le défend quand même. Il ne l'encourage pas. Lorsqu'on est en train de parler du mal d'un responsable, il n'est pas là en train de pointer aussi du doigt. Ça, c'est un mauvais esprit. Ça, c'est un esprit sectaire. Église, refusez cet esprit. Pourquoi il vient te dire ces choses? Et toi, tu es là toujours en train d'entendre. Tu prends plaisir à entendre. Et toi, tu es devenu la une, la deux, RTL TV. Tu as pris l'information à la source, tu viens l'amener à l'église. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis ces choses. J'apprends que vous avez dit du mal d'un bien-aimé. Moi-même, je viens vous chercher. Je le dis et je viens vous poser la question. J'ai appris que tu as dit ça. Tu es prêt à me confronter avec ce bien-aimé. Et parce que ce n'est pas moi. Si c'est toi, tu te répands sur la chambre. Tu demandes pardon. Nous sommes fatigués, frère. Nous sommes en train de bâtir une église. Vous, vous venez détruire. Détruire, c'est facile. Construire. Vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, pire. Vous chuchotez, les murmures, les commérages, les amis, jusque Zakon va continuer. Jusque Zakon, nous avons commencé par l'esprit. Pourquoi nous devons finir par la chair? Qui vous a arrêté à courir? Vous courez si bien, qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de vous. Un peu de levain fait lever toute la pâte, a dit Paul aux Galates. Qui vous a ensorcelé? Mes amis, donc tu vas abandonner la foi parce qu'on t'a critiqué? Tu vas abandonner la foi parce qu'on t'a blessé? Tu vas abandonner la foi parce qu'il t'a laissé? Et toi aussi, quand tu allais les mains, nous étions où? Vos amours cachés là. Puis on commence à voir quelqu'un qui est en train de pleurer. On ne comprend pas pourquoi il pleure. Il m'a laissé. Il t'a laissé où? Les navettes sont là, non? On peut te ramener jusqu'à Rodébec. Il m'a laissé. Et quand ça avait commencé, tu étais où? Pourquoi tu ne criais pas avant? Les amis, les amourettes occultes, je n'en veux pas. Nous refusons ces choses. Frères, sœurs, nous sommes des enfants de lumière. Tu aimes une personne, fais tout. J'ai aimé cette femme qui est devenue la mienne. Quand elle m'a dit oui, j'ai tourné sur mon lit, j'ai sauté de joie. Quand j'ai fini de sauter de joie, je suis venu maintenant un homme responsable. J'ai dit, tu vas parler à ta famille. Un mois, je suis venu prédoter. Une année après, j'avais 29 ans. Une année après, je suis venu, j'ai fait la dot, le civil et le religieux. Et je lui ai dit, viens, on part à la maison. L'affaire a été clôturée. Quand tu commences là, quel est ton plan d'action? C'est quoi ton plan d'action? Tu es en train de privatiser la sœur. Inutilement. Quel est ton plan d'action? Jésus-Christ vient lui dire, quitte d'ici pas, car Hérode cherche à te tuer. Il dit, allez, dites à Serena, je chasse les démons, je guéris les malades. Aujourd'hui, demain et le troisième jour, j'en aurai fini. Mais toi, quel est ton plan d'action? Si 2023 est égal à 2024, posez-vous la question. Où va-t-on? César avait dit quoi en latin? Non. En latin, où va-t-on, c'est quoi? Cherchez ça. Les latins, ceux qui ont fait le latin, l'alertement. Je peux continuer.
Paul est le premier à encourager Timothée. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Oui, tu es jeune, Timothée. Oui, tu as des charges qui sont plus grandes que ton âge. Mais lorsque tu vas être un modèle pour eux. Ils vont te respecter. On ne vous respecte pas, jeune, parce qu'il y a la légèreté. On ne vous respecte pas parce que vous êtes léger. Tu es en train de chatter à n'importe quelle heure. J'étais en train de lire le livre de Daniel ce matin. Quand on vient de lire l'inscription sur le mur, il dit, pesez, pesez, je vous ai pesé, je vous ai trouvé léger. On te pèse, ma soeur, on te trouve léger. Tu es toujours avec les frères. À un moment donné, vraiment, tu te positionnes. Le frère vient, on va au quick. Non, non, merci, je rentre à la maison. J'ai autre chose à faire. Même si tu as faim, tu rentres chez toi. Non, à 7 heures, non, c'est pas bon. Le pasteur, il n'aime pas. Là, tu es tout là. Après des quicks, là, on va ailleurs. Toi aussi. Et puis, tu nous postes ça sur Instagram. Comment tu es allé manger. Comment... Qu'est-ce qu'on gagne là? Tu es en train de montrer ta frivolité de vie. Mais toi, tu es fier. Parce que toi, tu es partout. Tu vas à gauche, tu vas à droite. J'allais dire un terme là que j'ai appris à l'époque, Joe les taxis. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche. À un moment donné, sois stable. Il y a des gens qui vous... Les réseaux sociaux là, mes amis, on vous évalue. Hein? Ah, ça c'est quel genre de frère? Aujourd'hui, on va aller avec la sœur A, le frère, la sœur X, la sœur Y. C'est quel genre de sœur? Et vous ne savez pas tout ça. Vous voyez que mon nombre de vues, 450. J'ai beaucoup de followers. C'est quoi followers, hein? Moi, je ne comprends pas. Moi, je prêche là, je ne vois même pas 3 personnes. Les gens montrent seulement comment ils sont en train de se maquiller là. 1 million de vues. Ah, Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez-moi le secret. Vive Jésus. Pierre nous donne 2 exhortations importantes. Il est en train de dire ceci, 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au siècle, aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Donc notre conduite nous amène dans une sainteté. Yes. Soyons des sources d'édification, mes amis. Quand on te regarde comme ça, on dit, Seigneur, merci pour cette sœur, merci pour ce frère, il m'édifie. Où sont les frères et les sœurs qui nous édifient aujourd'hui? 2e exhortation. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il y a des gens qui peuvent être visités à cause de ta conduite. Par ton comportement. Par ta façon d'être. Cette soeur-là, chaque fois que je vois sa maman l'envoyer, elle part sans problème. Toi, il suffit seulement maman, tu vas. Hey! Après demain, nous vous bénissons. Chandare baba. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va préparer à la cuisine là-bas. Quand maman te dit, viens couper les concombres, toi, tu es en train de bouder. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'est pas les ongles de 15 cm. C'est toi qui vas couper. Le premier jour, on commande un petit chinois. Ok. Bébé, tu commences à changer. Bébé, on commande un petit quick. Ok. 3e jour, il va te dire, maman, arrête de m'appeler bébé, arrête de m'appeler chou. Maintenant, là, prépare. Maman, c'est comment tu faisais encore là? Tu coupais le poulet comment? Mets la vidéo. Mets la vidéo, je vais te montrer comment couper. Mais ce sont des réalités, hein? Et la maman n'a pas, elle n'est pas branchée vidéo. Elle a encore des téléphones datant des années 80. Mais toi aussi, maman, pourquoi tu ne changes pas de téléphone? Elle va changer seulement le téléphone pour qu'elle t'apprenne. Tu étais allé à la maison, tu ne voulais pas apprendre. Tu vas préparer le poulet. L'huile au-dessus. Ah, Jésus. Je le répète. Nos sœurs qui se marient à l'église ici, faites-les passer par le service cuisine. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites-les.
viens me montrer comment tu vas dresser la table de ton mari. Oh non, je vais lui dire seulement, je viens, je dresse. Tu ne sais même pas à quoi sert le couteau de table. Tu ne sais même pas comment on met le couteau, il y a le couteau de poisson. Tu connais tout, tu ne connais rien. Tu ne sais même pas à quoi sert les verres. Il y a les verres de vin, il y a les verres d'eau. Tu ne connais rien. Tout c'était maman qui faisait. Et vous aussi, maman, arrêtez. L'enfant commence à avoir un certain âge. Moi, j'ai dit à ma fille, tu commences à grandir, viens, on va t'apprendre comment on fait les œufs. Il faut que tu apprennes. Vous êtes là simplement, oh non, c'est ma fille, c'est mon unique enfant. Ton unique enfant là, nous sommes avec toi. Voilà ce que Dieu attend de nous. Avoir une bonne conduite irréprochable, mais nous produisons le contraire dans notre langage, dans notre habillement, dans notre caractère. Nous nous boudons les uns les autres. Nous nous faisons des crocs en jambes. Que faisons-nous d'extraordinaire si moi je ne dois saluer que ceux qui me saluent? Tu la salues? Elle ne me salue pas. J'étais avec elle à Rodebeck, elle ne m'a pas salué. Pourquoi je vais la saluer? Elle t'a boudé, tu viens, ma soeur, shalom, mon frère, shalom, vous allez bien? Lui-même sera dans la confusion. Mais toi aussi, dents contre dents. Elle boude, moi aussi je boude. Dans un jargon, on dit, vie de prière courte. On parle de la langue dans le livre de Jacques. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudisons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Oui, ça c'est vrai, mais nous, enfants de Dieu, nous produisons et l'eau salée et l'eau douce. De notre bouche, nous bénissons Dieu. De cette même bouche-là, nous maudissons notre prochain. Nous maudissons notre prochain. Et ce qui est pire, frères et sœurs, j'en ai parlé au premier culte, moi je suis libre. Hein. C'est que parmi vous ici, des gens connaissent beaucoup de choses. Le 25 novembre, Stade Arena. Il y a des Gaulois et il y a des Warriors, des chrétiens. Oh, moi je suis Warrior, moi je suis chrétien, moi je suis de Jésus. Je suis venu ici en 2001. J'entre, ma tante me dit, elle me parle d'une. Nous, à l'époque, c'était le rap, maintenant, c'est devenu le R&B, hein, c'est ça. Hein? Oh, Beyoncé. J'ai dit, Beyoncé, c'est qu'elle dit, Hugues, tu vis dans quel monde? Moi, je ne connais pas ces choses. Moi, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vouloir ou pas, on vous envoie des choses, des publicités. Les Gaulois vous envoient des choses, les Warriors vous envoient des choses. Dis, moi, je ne suis pas dans ces choses. Quelquefois, tu bloques, mais ça revient. Tu bloques, ça revient. Maman demande c'est quoi les Warriors, c'est quoi les Gaulois. Ceux qui connaissent savent. Vous savez, la dernière fois je sors de ma voiture, je prends, on me dit, et puis on me dit non, au stade Roi Baudouin, Beyoncé joue. Moi je n'étais même pas au courant de rien. Je ne savais pas ça. Mais parmi vous, les gens qui savaient, qui sont branchés sur YouTube, vous connaissez même tous les pas qu'elle exhibe. J'ai suivi dernièrement un rappeur ou un ex-rappeur qui était en train de parler des signes des Illuminati. Mes amis, nous tombons dans la séduction. Et aujourd'hui, ce qui est grave, c'est même que dans nos musiques dites chrétiennes, des R&B, on fait les mêmes choses. Et nous, chrétiens, nous marchons sans discernement. Nous sommes là, nous ne discernons pas. Il y a des musiques que nous devons écouter, il y a des musiques que nous ne devons pas écouter. Même chrétiennes. J'ai suivi une servante de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect. Elle parle devant des milliers de personnes. Elle dit, je me suis fait un tatouage ici à la jambe où on a marqué le mot amour et un autre tatouage au dos. Même le tatoueur a dit, vous êtes le couple le plus vieux que je tatoue. Non, j'ai mis un tatouage pour me rappeler que je dois marcher dans l'amour. Où est passé le Saint-Esprit? Ah oui? On va parler des tatouages. Parce que vous pensez que le tatouage a de bonnes origines. On doit en parler. Vous devez comprendre que Dieu nous ouvre les yeux, frère. Et nous devenons corruptibles. Nos sœurs, vous venez, excusez-moi, je vais peut-être parler beaucoup de sœurs. Vous portez les bracelets aux pieds. Vous connaissez le synonyme des bracelets aux pieds? Vous portez seulement, c'est la mode. Lisez l'histoire. Toute chose a toujours une origine. Et vous devez savoir, ce monde ici évolue avec l'influence du diable. Quand on met les bracelets. Moi, j'ai suivi. Une fois, je me suis intéressé à ça, mais j'ai oublié. Quand vous mettez le bracelet à droite, ça a une signification. Soit vous êtes libre, femme à prendre.
C'est-à-dire, avec le temps, ça a évolué. Mais l'origine de la chose, c'était quoi la première origine? Au gauche, c'est-à-dire, je suis une femme libre, accessible aux femmes. Mais les gens ne savent pas. Pasteur, on est libre. Ne faites pas de votre liberté un esclavagisme, de vivre sous la contrainte de ce monde. Alors face à toute cette situation, nous allons bientôt clôturer. Que faire? C'est vrai que nous avons condamné le mal c'est bien. Mais il faut trouver aussi des réponses à ça. À ce mot, il faut trouver des remèdes. Et l'un des remèdes que j'ai trouvé, je l'ai trouvé dans les livres de Joël chapitre 2. Écoutez ce que la Bible déclare. Je crois, bien aimé, l'un des grands remèdes, bien aimé, pour nous trouver le moyen de s'en sortir, c'est de se repentir et revenir au Seigneur de tout notre cœur. Joël chapitre 2, s'il vous plaît, équipe technique, je vous attends. Je n'ai pas le verset sur moi. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Revenez à moi. C'est ça, il faut que nous revenions à l'Éternel de tout notre cœur. Seigneur, nous avons péché. Seigneur, ton serviteur a péché. Je prêchais des choses pour exciter la chair, pour faire plaisir au peuple. Je veux revenir à la parole de la vérité. Seigneur, ça fait mal, mais au moins, bien-aimé, ça nous fait du, ça nous instruit. Oui, revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Nous avons péché, bien-aimé. Nous avons laissé l'ennemi entrer dans nos maisons, saccager nos vignes, saccager ce qui est à nous. Nous avons laissé nos ennemis entrer dans nos maisons, prendre l'intelligence de nos enfants à travers les réseaux sociaux. Avec des jeûnes, en accord et 14, 14 jours de jeûne, et des pleurs et des lamentations. Continuez, s'il vous plaît. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel de votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, long à la colère et riche en bonté. Et s'il se répand de ces mots, et s'il se répand des mots qu'il envoie, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel notre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et que l'épouse sorte de sa chambre. Un appel à la repentance véritable qui produit un véritable réveil par la prière. Bien-aimés, nous sommes en train de chercher des personnes animées d'un autre esprit qui s'élèvent comme Josué et Caleb, animées d'un autre esprit. Nous nous levons, nous nous tenons à la brèche. Dieu cherche un homme. Il cherche un homme qui est en train de voir ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Comment l'église est en train de se pervertir. Comment l'église est en train de se corrompre. Il cherche un homme qui est en train de pleurer, qui est en train de pleurer. Hier, je me suis tenu ici. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce que cette église ne tombe pas en dérision, que cette église, même après ma mort, qu'elle continue à exister, que l'esprit de Dieu, l'esprit de la crainte de l'Éternel soit répandu dans celui, dans ceux et celles, dans la jeunesse qui prendra le flambeau en retour. Que nous continuions, bien-aimés, que nous continuions, que l'église de la mort ne s'arrête pas un jour. Et que je ne sois pas le premier à arrêter. Il y a un feu qui est en train de venir, mes amis. Je vous le dis, 2024 sera un moment de feu. Tu sentiras un feu. Je le crois que cette retraite est une retraite qui va marquer la fin d'un temps et le début de quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui seront embrasés, des gens qui étaient timides. Dieu va se servir d'eux. Ils ne comprennent pas. Pasteur, depuis un certain temps, je sens un feu me dévorer. Ce lieu ici, les gens viendront passer de nuit pour chercher la face de Dieu. Je prie pour cela, je prie pour cela, je prie pour cela, je prie qu'il s'élève des hommes et des femmes qui marchent différemment, qui ont un langage différent, qui ont un comportement différent, qui ont des tenues différentes, qui cherchent Dieu au-delà de tout. Ils peuvent avoir l'argent, ils peuvent avoir des voitures, mais lorsqu'ils viennent dormir, ils oublient qu'ils sont riches, ils oublient qu'ils ont des voitures, ils oublient leur position sociale. Mais ce qu'ils veulent, c'est plus de toi, plus de toi, plus de toi. Heureux ceux qui ont soif de Dieu, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils verront Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous, qu'il vous garde, qu'il vous propulse, qu'il vous fasse aller de l'avant, qu'il vous fasse triompher. Car je crois que cette retraite, c'est pour qu'un faible dise, je suis fort.
pour qu'un faible dise je suis fort, pour qu'un pauvre dise je suis riche, parce que Dieu veut t'enrichir de toutes ses grâces.